Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, c'est le tag by Jument24. J'ai été taguée par Beauty and Making Up, donc c'est Charlène, merci de m'avoir taguée. Et j'ai des questions sur mon téléphone comme d'habitude, donc on va commencer maintenant. Première question, cite tes deux défauts principaux. Alors, il y en a blindé. je suis jalouse. Donc quand c'est avec mon copain, etc., ben, quand je suis pas avec lui, je suis toujours énervée ou en stress qu'il y ait une fille qui vient de près de lui. Enfin, maintenant, beaucoup moins. Mais ça nous a causé beaucoup de problèmes quand on était en secondaire ensemble. J'ai déjà pété plein de plombs pour rien. On a eu plein de disputes à cause de ça. Donc c'était un peu la galère, mais maintenant j'ai fait des efforts. Mais je reste quand même... jalouse, ou alors je suis jalouse pour ma maman, donc c'est à dire c'est ma maman à moi, je suis fille unique aussi, donc c'est ma maman, c'est tout. Ça fait pas, c'est pas ouais c'est ma maman qui me fait pourri gâter ou quoi, non, c'est ma maman. Ma maman c'est tout pour moi, donc si quelqu'un l'approche, je pète un plomb. Et deuxième défaut, je suis possessive. Ouais, donc c'est à dire possessive envers mes objets. C'est grave, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, je le dis tout le temps, c'est-à-dire. Donc, le fait que je travaille et tout ça, que je me, entre grands guillemets, je me casse le cul pour avoir de l'argent le samedi, eh ben, j'ai pas trop envie de prêter mes trucs à des gens que j'ai pas confiance. Donc, à mes amis et tout, je dis pas, mais je suis assez... voilà quoi, je regarde à mes affaires, je suis assez conservatrice, je pense que vous le savez aussi ça. Donc possessive envers toutes ces choses-là, possessive envers mes objets, possessive envers mes amis. Donc j'aime bien être avec mes amis, être fusionnelle et tout ça quand on se voit, parce que je suis plus avec mon chéri, c'est normal. Possessive envers lui aussi forcément. J'aime bien l'avoir près de moi. Et voilà. C'est un peu égoïste en fait. Mais bon, ça va, je fais des efforts. Maintenant j'ai quand même... ça va mieux. Mais c'était avant, c'était poussé à l'abus, mais ça reste quand même deux défauts parce que... on ne saurait pas changer du tout au tout en si peu de temps. Et alors, un petit défaut que je rajoute, parce que bon, c'est râleuse. Je râle beaucoup. Mais, en fait, je râle... comment expliquer? Dès que j'ai pas quelque chose, je râle. Je râle quand il pleut. Je râle quand je suis de mauvaise humeur, forcément. En fait, il me faut... je râle... j'essaie de râler le moins souvent possible, mais quand je râle... c'est lourd, c'est pénible à vivre, je sais bien. Mais voilà, quand je râle, je râle. Il me faut, soit il me faut quelque chose pour me faire déraler, genre aller faire les magasins ou être sur mon ordi ou des trucs comme ça. Mais quand c'est parti, voilà. Donc c'est trois petits défauts que maintenant je dis ça va mieux, je fais des efforts et tout ça. Mais ça reste quand même. Hein. Alors, deux, cite deux qualités principales. Alors, je suis déterminée, donc quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Ça peut aussi partir dans le, passer dans les défauts en fait, parce qu'il y a des fois où, quand j'ai pas ce que je veux, je suis très désagréable tant que je l'ai pas. Mais quand je veux quelque chose, en général, je l'ai. Donc, c'est-à-dire, j'ai voulu mon permis, j'ai raté la première fois. Le théorique, donc parce que j'étais trop stressée, mais après je l'ai réussi. J'ai réussi mon pratique du premier coup et je voulais avoir mon diplôme du premier coup, je l'ai eu du premier coup. Et donc voilà. En général, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens pour l'avoir. Donc si je veux par exemple, je sais pas comment expliquer moi, une fois par exemple un examen, je voulais absolument le réussir parce qu'il était quand même assez dur. C'était un examen de psycho quand j'étais en ma dernière année de secondaire. Et c'était au mois de janvier, c'était début janvier si je me... ou non, c'était pas début janvier, je mens. C'était pas au 3 janvier, c'était fin décembre. Et en fait, j'avais mis mon réveil à 3h du matin pour me réveiller, pour pouvoir relire mon cours. Donc je me réveille et tout, il m'a fallu le temps d'immerger. Puis je commence à relire mon cours et tout, il y avait de la neige. On démarre avec ma maman qui s'est élevée très tôt aussi pour me conduire à l'école. J'arrive devant l'école, on avait bien mis 20-25 minutes alors qu'il faut 10 minutes d'habitude à rouler dans la neige. Est-ce qu'ils nous disent pas qu'il n'y a pas l'examen? Ils nous disent oui mais non, il y a de la neige, les profs ne vont pas se venir.
Oh, j'ai pété à plomb ce jour-là. Donc je m'étais levée, donc tout ça pour dire que je m'étais quand même levée pour lire, étudier. Et... Enfin. Donc, ah ouais, en général, quand je veux quelque chose, je l'ai. C'est que ça, ça a le caractère, ça, mais c'est comme ça. Mais ça reste une qualité aussi parce que c'est mieux ça que de s'en foutre de tout et de n'avoir envie de rien. Et deuxième qualité. Gentil. Je suis gentille. Oui. Quand je déteste quelqu'un, je le déteste jusqu'au bout. Mais je déteste pas beaucoup de gens, franchement. Mais sinon, je suis gentille avec les gens que j'aime. Je suis agréable à vivre, on va dire. Parce que quand je râle pas, bien sûr. Mais bon. Et on peut pas être parfait. Hein. Alors. 3. Cite deux aliments que tu détestes. Je déteste les épinards. Ce truc me dégoûte, je ne peux pas manger ça. Ça ressemble à rien, on dirait que c'est quelqu'un qui a vomi. Désolée, mais moi je... Oh non. J'aime pas le goût, j'aime pas les berk. Et sinon, un deuxième truc que je déteste, la salade. J'aime pas la salade. J'ai déjà goûté, hein, mais je... Non. En fait, je suis assez difficile pour manger. J'aime pas le poisson, j'aime pas la salade. Mais que je déteste vraiment, c'est la salade et les épinards. Pourtant, dans la soupe, je mange tous les légumes, enfin, pas les épinards et la salade, je crois pas qu'on en met, mais quand c'est dans mon assiette, j'ai du mal, quoi. C'est bizarre. 4. Cite deux fruits que tu adores. J'adore la pastèque, j'adore la fraise. C'est vraiment les deux fruits que j'adore, même si j'aime bien tous les fruits. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Dès qu'il y a des fruits chez moi... Alors, et 5, dernière question, cite deux phobies. Première phobie, les araignées, ça c'est certain, ça ne se discute pas. C'est même pas une peur, c'est vraiment une phobie. Enfin, je déteste ces animaux, ça me dégoûte, même si j'aime bien tous les animaux, eux, c'est pas possible, ça ne passe pas, on n'est pas compatibles. J'ai déjà dit, elles sont dehors, je m'en fous, mais elles font leur vie, elles rentrent chez moi, ça ne va plus. Et tant qu'elles ne sont pas mortes, bah, je fais une inspection tous les jours, toujours matin, toujours soir, je regarde partout dans les coins, et, tout le temps. Dans toute la maison, dans les coins par terre, dans les coins en haut, je regarde partout. C'est un tic du matin et du soir. D'ailleurs, petite anecdote, encore une fois, une petite histoire. Mardi passé, on était dans le fauteuil avec Cédric. Et qu'est-ce qu'on voit? Une grosse araignée noire. Alors, elle était rentrée parce qu'on avait mis les cartons dehors et qu'ils les avaient rentrés pour les remettre devant parce que les cartons passaient. Et une de ces grosses araignées, je vous jure, je commençais à pleurer et à me barrer dans la chambre. Tant qu'il l'a pas tué, ça ne l'est pas. Il a dû déplacer le fauteuil et tout, mais moi je laisse pas ça chez moi, il n'y a pas de moyen. Donc voilà, mais les petites, je fais des efforts, j'arrive à les tuer. C'est déjà ça. Et alors, deuxième phobie, c'est deux phobies en une, si je peux dire ça. Je déteste la mort, enfin je déteste. J'ai une peur bleue de la mort. Je fais des crises d'angoisse et tout ça à cause de ça, donc c'est aussi vraiment une phobie. J'ai des gouttes, etc. à prendre. Ouais, ça c'est la phobie. Et c'est lié aussi, j'ai peur du noir. Pareil, crise d'angoisse. Dès que je me retrouve dans le noir, j'ai l'impression d'étouffer. Et je suis obligée d'allumer la lampe. Pourquoi? Depuis que je suis toute petite, c'est ainsi, les deux. Donc voilà, c'est trois phobies que je ne saurais pas départager parce que j'ai autant peur de l'une que de l'autre. Enfin voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, que vous aurez appris un peu mieux à me connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites le tag et mettez-le en commentaire vidéo. Parce que moi, à chaque fois, je tag les mêmes personnes. Donc vous savez bien, Marine, Céline, Alison, Cindy, tout le monde en fait, tous les gens que j'aime bien. Vous pouvez faire ce tag, et même ceux que je connais pas, quoi. Et vous le mettez en commentaire vidéo et j'irai le voir, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, le tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.